Romain, un an, presque jour pour jour, qu'on s'est rencontrés. La dernière fois, c'était à Tours. Ouais. Il faisait un petit peu genre 10 degrés. Ouais, exactement, en fait. Ça fait plaisir de retrouver tous les téléspectateurs de 0 à 100. On a un temps un peu plus proche de chez vous, on va dire, un peu plus proche de Tahiti. Ouais, il fait sec, mais il fait à peu près 40 degrés. En combinaison, je vous rassure, elles ne sont pas ventilées, on aimerait bien. Mais on est à peu près pour le même style de course automobile, sauf que cette fois, au lieu d'être à Tours sur un speedway provisoire, là, on est sur un petit short track, comme on appelle ça aux États-Unis. Donc, c'est un speedway qui mesure à peu près 600 mètres, incliné à environ 35 degrés. Et on roule avec ces voitures qu'on a juste derrière nous. Des voitures qui sont faites que pour tourner à gauche. C'est à peu près les mêmes voitures que la Spring Cup qu'on voit vraiment, qui est la course nationale, hein, qu'on connaît au niveau international. Sauf qu'elles sont un peu moins solides, un peu moins puissantes. Un moteur 6 litres Chevrolet qui fait environ 500 chevaux, 1200 kg. Et donc sur un ovale de 600 mètres, on arrive à peu près à aller 200 km/h. On est une vingtaine de voitures. Je ne m'attendais pas vraiment pas à ça quand je suis arrivé ici, puisque c'est ma première saison en course auto dans ce championnat américain. C'est assez sympa. Ça t'a pas empêché d'en gagner une quand même, il n'y a pas longtemps, je crois. Ouais, c'est vrai, premier français à gagner une course de NASCAR, donc ça fait plaisir. Ouais, non, c'est cool. Je suis arrivé pour ma première course, j'ai fait la pole position. On s'est entouré de personnes qui avaient déjà gagné le championnat ici. Donc on a créé notre propre team, Exotics Racing Team. On a trois voitures, voilà. 7, 8, 9. Warren Knipper, David Périsset, mais qui ne roule pas aujourd'hui, qui a laissé sa place à Frédéric Jouet, qui avait roulé avec moi à Tours aussi. Et moi-même avec la numéro 8. Ça coûte cher une saison avec, parce qu'on m'a dit que c'était pas si élevé que ça. Et... Non, c'est ça qui est bien, c'est encore moins cher que les séries européennes. Il faut savoir que c'est la plus haute catégorie qu'on a ici sur le plan régional, dans le championnat du Nevada, ça s'appelle la Super Light Model. Une voiture d'occasion coûte environ 20 000 $, environ 15 000 €. Et après, il faut compter à peu près 20 000 $ aussi pour faire toute la saison. Il y a quand même 13 week-ends de course. C'est assez limité au niveau des pneus, par contre, il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la voiture, au niveau des réglages. On a le droit de choisir ses suspensions. Il y a deux styles de moteurs, donc la numéro 9 aura un moteur qui fait 550 chevaux et moi sur la 8 par exemple et sur la numéro 7 on a 450 chevaux, par contre la numéro 9 embarquera 100 kg de plus. Ce qui est hallucinant, pour régler la voiture, il mesure la circonférence des pneus et tu peux choisir la circonférence de tes pneus. Et en fait, en mettant des pneus de taille différente à l'intérieur, à droite, à gauche ou avant-arrière, tu vas pouvoir avoir plus de rotation avec ta voiture, faire tourner ta voiture. Toi, par rapport aux autres, tu glisses énormément en sortie de courbe. J'ai un style de pilotage encore super européen, ce qu'on appelle à freiner tard, à freiner le plus loin possible. Les Américains me regardent en disant ils comprennent pas trop comment je fais pour aller assez vite. Que depuis le début de l'année, c'est pas mal, on a gagné une course, j'ai fait tout le temps des podiums. Et on est deuxième du championnat, c'est tout près, on est à 3-4 points à peu près à mi-saison. Ce soir là, eh bien, écoute, on va se battre pour la pole position encore et puis essayer de gagner des courses, mais rien n'est joué avant le dernier tour et c'est vraiment, vraiment super serré. Vous avez vu que c'est sport déjà pour rentrer dans la voiture. On n'a pas de porte, on rentre par la fenêtre, c'est un vrai NASCAR. Et à l'intérieur c'est sommaire, on a le contour, les différentes températures et pressions, l'huile et d'eau, et puis un extincteur. La radio parce que très important ça, le spotter, c'est-à-dire qu'on est toujours relié avec quelqu'un par les oreillettes. On regarde jamais dans les rétros, c'est toujours lui qui va nous indiquer si il y a quelqu'un qui nous rattrape, si on a quelqu'un à droite, à gauche. Et si on rattrape du temps, si on perd du temps sur la tête, etc. C'est vraiment encore plus important qu'un copilote en rallye. Song is a real song.
La course est terminée, je suis avec Romain et Warren. Alors messieurs, comment ça s'est passé, Romain? Départ difficile, la 27 a fait un faux départ, c'est moi qui avais la pole, donc c'était à moi de donner le départ. Il accélère trop tôt, quoi, tout simplement. Normalement, dans ces cas-là, il y a un restart, ils ne l'ont pas fait. Donc je me suis retrouvé deuxième, après je me suis fait pousser, je me suis retrouvé quatrième. Restart de nouveau, et j'ai trois vitesses en fait sur ma voiture, c'est une boîte 3 vitesses, et j'ai perdu la deuxième vitesse. Donc j'avais une première très lente, il y a eu deux faux au départ, et où j'ai galéré un petit peu. Et puis après, je suis reparti, j'ai réussi à me caler deuxième. Mais la voiture était freinée, la boîte de vitesse a freiné à l'intérieur, donc je manquais de puissance. Et donc Gafforini, le 49, m'a doublé et je finis troisième. Ça limite les dégâts au championnat. Mais ce qui m'énerve, c'est qu'on était très, super vite en qualif. Ah oui, oui. On a fait la pole avec 2 dixièmes d'avance. On bat le record de la piste avec cette voiture. Et là, troisième, c'est un peu frustrant. Warren a eu plus de mésaventures que moi encore. Ouais. En tout cas, c'était une course animée. On avait 35 tours. Oui, on avait fait 5 tours, ça faisait un quart d'heure que la course était commencée, on était crevés, ça va dans tous les sens, c'est assez difficile à suivre. Warren, ça a été un peu difficile la course? Ouais, un peu difficile, un peu compliqué, on s'est bien battu avec Fred, portière contre portière, c'était sympa. Et puis c'est vrai que les restarts c'est pas évident parce que si vous prenez pas le bon timing, la voiture de derrière si elle le prend un peu mieux, elle va vouloir vous pousser, elle va avoir tendance à vous pousser et hop, vous faire l'intérieur. Et là en l'occurrence, il m'a un peu poussé dans le pneu arrière gauche, donc du coup j'ai crevé, je suis parti en tête à queue. Il y a de la poussette quand même? Ouais, il y a de la poussette, ouais, bien sûr. Ben là j'ai une nouvelle trace de pneu. Fred, alors comment s'est passé? Parce que c'était ta première course aujourd'hui, hein, c'est ça? Ouais, tout à fait, première course aux États-Unis. J'avais eu l'occasion l'année dernière de faire quelques tours aussi, une course en France, à Tours, qui était déjà un ovale mais à plat. Donc là, les caractéristiques étaient bien différentes puisqu'il y avait du banking. Bon, j'ai eu, et d'ailleurs je remercie Romain, David et Exotics Racing de m'avoir offert l'opportunité de pouvoir participer à cette course en ayant fait quelques petites séances d'essai juste avant. Hier, j'ai fait une trentaine de tours avant la course. Donc je suis assez content du résultat, 6e à l'arrivée. Pour une première course ici aux US, je suis assez content. C'est excitant, on prend vraiment du plaisir à tourner en rond. Pour les mauvaises langues diront que c'est des courses de rond-point. Mais venez rouler là-dessus, vous allez voir que c'est vraiment sympa à faire. When I cry, you heal my pain. Help me call.